Pourquoi Sadio Manet aurait dû remporter le Ballon d'Or 2022 Il aurait dû en raison de son impact incontestable sur le football mondial au cours de cette période. Son influence transcendait les statistiques brutes, se manifestant à travers des performances exceptionnelles et une influence positive sur ses équipes. En 2022, Manet a été un pilier pour le Liverpool FC, contribuant de manière significative à leur succès en championnat et en compétition internationale. Ses buts cruciaux, ses passes décisives et son jeu collectif exceptionnel ont été des éléments clés du parcours victorieux de son équipe. La constance de Mané dans ses performances était remarquable, sa capacité à briller dans des matchs décisifs, que ce soit en championnat national, en Ligue des champions ou en compétition internationale, a renforcé sa candidature au ballon d'or, son talent polyvalent. Sa rapidité fulgurante et sa capacité à faire la différence dans les moments cruciaux ont captivé les amateurs de football du monde entier. Au-delà des statistiques, la présence de Mané sur le terrain a inspiré ses coéquipiers et galvanisé son équipe, sa détermination, son humilité et son faire-appel ont également contribué à faire de lui un ambassadeur du football respecté, ajoutant une dimension morale à sa candidature. En outre, Mané a joué un rôle essentiel dans le succès de l'équipe nationale du Sénégal, portant son pays à des sommets inédits lors de compétitions internationales. Sa contribution à l'essor du football africain méritait une reconnaissance mondiale à travers le Ballon d'Or. La victoire potentielle de Sadio Mané au Ballon d'Or 2022 aurait été justifiée en raison de son influence exceptionnelle sur le terrain, de sa constance dans les performances et de son impact positif à la fois au niveau national et international. Abonne-toi.